Ce message nous demande de rembourser un emprunt qu'on a fait à la Banque de Fer, qui est accessoirement la banque la plus dangereuse du royaume. Avec eux, les mystères sont pas de mise. Là, si on rembourse pas... Donc voilà, on a plus un sou, bye bye le trône de fer. Et le budget papier toilette va être serré ce mois-ci. Il va falloir retourner dans les douves. Suivi les conseils stupides de Lord Peter. C'est vrai, emprunter de l'argent aux banquiers les plus dangereux du monde, c'était mon idée. Ne pas les rembourser, ça, ils l'ont trouvé tout seul. Mes fidèles compagnons, c'est une journée très très difficile pour moi. Alors je dois vous annoncer que malgré tous nos efforts, nous ne prendrons jamais la tête du royaume. Ok. On a terminé ? Parce que je suis invité à manger de la viande ? Non, attendez. Pourquoi on n'a pas le droit au trône ? Parce que la banque de fer nous a tout pris, on n'a plus rien. Donc soit on a une sorcière, soit on a un fils de dragon. Je suis un... Un vrai bordel avec des papiers. Il n'y a pas de papiers, mais je suis un fils de dragon. Les fils de dragon, ils ont les cheveux dorés. Il y a eu beaucoup de mariages entre nous et les gens du sud. Oui, mais c'est pas une preuve, ça. Ok. Vous voulez une preuve? Oui. Vous voulez une preuve? Je te supplie. S'il te plaît. Je demande un bûcher. Trop théâtral. Non, pas trop théâtral. Trop théâtral, c'est... Je demande un bûcher. Sinon, je connais une sorcière. Non ! Bon, les gens de la maison, vous allez nous faire un bûcher, s'il vous plaît. Un bûcher. Oui. Mec, si tu touches à mes pions... Oh putain, je vais le défoncer. Si il a du sang de dragon, il est censé résister au feu. Mais moi, je pense qu'il va plutôt se cramer la gueule. J'ai rien dit parce que j'adore les activités en plein air. Pour vous prouver, à tous, que je suis bien un fils de dragon, je vais me jeter dans un bûcher de feu! Pléonasme. Allumez! Bon, pour l'instant, ça va. Ça va? Ah non! Je brûle! Je brûle! Aidez-moi! Attendez! Non, ça va en fait. Juste une petite sensation de brûlure. Ah, ma jambe brûle. Tout mon corps brûle et fait des petites cloques. Attendez. Attendez, sous les petites cloques, qu'est-ce qu'il y a? On dirait comme des écailles. Des écailles de drap. Moi, je comprends pas pourquoi les gens ont l'air surpris comme ça. Je sais pas, il y a du feu, tu te jettes dans le feu, tu meurs. Alors on savait pas si c'était le fils du dragon ou pas le fils du dragon. Apparemment, c'était pas le fils du dragon. C'est ma première cérémonie funéraire, genre officielle. J'étais super excité à l'idée d'écrire le discours, mais je sais rien sur lui en fait. Fils de... On ne sait pas qui. Tu aimais la soupe de potiron. Et pourtant, tu es mort. Tu pensais que brûler, tu ne pourrais pas? Eh bien, brûler, tu es. Brûler, tu as. En même temps, c'est du feu. On te l'avait dit. Si tu étais encore là, je te dirais... Il est quelle heure ? La bonne nouvelle, c'est que grâce à Aelys, qui est fils de dragon, on peut avoir le trône de fer. La mauvaise nouvelle, c'est que comme c'est Aelys, le fils de dragon, c'est lui le chef maintenant. Moi, je suis pas le chef. Je suis au chômage. Alors ? Tu l'as dit ou pas ? Fils des dragons. Par contre, là, je pue. Hein.